Bonjour, elle s'appelle Geneviève Côté, elle est bruiteuse et franchement ce qu'elle fait, c'est vraiment vraiment très très bien. Donc malheureusement je ne peux pas mettre le son sur ma chaîne, mais vous allez voir ce que je vais faire après, parce que bon, il s'est passé un truc. C'est-à-dire que quand elle est arrivée plus ou moins en larmes en disant qu'elle était fan de l'émission, que c'était la première fois qu'elle montait sur scène, etc. etc. Bon, bah pourquoi pas, c'est vrai, on l'avait jamais vu. Et puis elle a commencé à bruiter, je sais pas comment on dit. Et c'est vrai que c'était plutôt étonnant, donc Karine Le Marchand était vraiment très épatée, etc. Et puis bon bah elle a fait ce qu'il fallait faire, Golden Buzzer, donc bon, c'est franchement c'est vrai que c'était mérité. Donc par contre, alors bon, je suis un peu déçu d'une chose, c'est que bah elle nous a dit que c'était la première fois qu'elle montait sur scène, elle faisait ça pour son fils, etc. etc. Sauf que c'est une professionnelle, c'est-à-dire que si vous allez sur son site qui s'appelle Geneviève Côté, là, si vous voulez, je vous mettrai le lien sous la vidéo, et eh bien vous pouvez aller entendre tout ce qu'elle fait et regarder ce qu'elle fait. Et eh bien elle est passée bon, je sais pas si c'est Britain ou les États-Unis, Get Talent, donc elle a fait la même chose dans d'autres émissions et elle fait des spectacles, etc. etc. Donc, quand elle est arrivée dans le show en disant oui, c'est la première fois, gnagnagna, ça, franchement, Geneviève, si vous regardez la vidéo, j'étais un peu déçu par ce qu'elle a dit, parce que franchement, bon, je pense que ce qu'elle fait est vraiment extraordinaire, mais bon, le côté, genre, c'est la première fois, c'est un peu décevant, mais bon, de toute façon, elle va pas gagner, hein, de toute façon, pour une simple et bonne raison, hein, c'est que, bon, en général, dans l'émission, c'est que les Français qui gagnent, hein, donc, bon, bah, je vous ferai une vidéo pour vous dire qui, normalement, devrait gagner. Allez, à suivre.